Une crise profonde? Au fur et à mesure que les semaines passent, les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur la possibilité d'une séparation entre Meghan Markle et le prince Harry. Mais si cela devait arriver, que ferait ce dernier? Resterait-il à Los Angeles ou rentrerait-il à Londres pour se rapprocher de sa famille, dont il s'est éloigné? Selon une experte, c'est plutôt cette possibilité qui prédomine aujourd'hui. Décidément, son retour seul à Londres n'a pas fini de faire parler. Depuis quelques semaines, et encore plus depuis que le prince Harry a débarqué sur son sol natal sans sa femme Meghan Markle pour la troisième fois, les rumeurs ne cessent d'enfler sur une possible séparation du couple. Après presque 6 ans de relation et 4 ans de mariage, le prince et l'actrice seraient en crise et la situation serait même si tendue que le fils de Charles III aurait trouvé un appartement loin de leur manoir de Monte Quito pour fuir les situations de crise. Mais si tout cela venait à se confirmer et que le couple finissait par se séparer, que ferait le prince Harry? Serait-il prêt à rentrer à Londres, loin de ses enfants? Si cette hypothèse semble peu probable tant il est proche d'Archie, 4 ans, et Lily Bay, 2 ans, une experte royale affirme tout de même dans la presse britannique que sa famille serait prête à se réconcilier avec lui. À une condition. Je pense qu'Harry, sans Meghan, serait plus facilement pardonné et serait le bienvenu dans le clan royal à plein temps, aurait en effet expliqué Jenny Bond à OK Magazine. Cependant, selon elle, ce ne serait pas encore le moment. Je pense aussi qu'il y a encore beaucoup de bons sentiments envers Harry, enfin, l'ancien Harry dont nous nous souvenons tous. Il pourrait revenir, mais je ne pense pas que ce soit une probabilité pour le moment, a-t-elle conclu. Il faut dire qu'il est très peu crédible de voir le prince reprendre une vie au sein de la firme qu'il a tant critiquée, ou dans un système qui lui convenait si peu. D'autant qu'il ne s'éloignera jamais de ses deux bambins, lui qui a tant souffert de l'absence de sa mère, Lady Diana, décédée lorsqu'il n'avait que 12 ans. Et que sa famille, fâchée de toutes ces accusations, ne lui pardonnera sans doute pas si facilement. Paul Burrell lui-même a un avis qui va dans le même sens que celui de Paul Burrell, l'ancien majordome très médiatique de la princesse Diana, qui voit bien une rupture entre le prince et sa femme. Il faut dire que ceux-ci semblent avoir du mal à être sur la même longueur d'onde ces derniers mois, 3 retours seuls, un baiser refusé au match de basket, la promotion de ses mémoires sans Meghan Markle, etc. Point et pense que cela pourrait au moins lui permettre de se réconcilier avec son père et son frère, surtout, avec qui les relations sont aujourd'hui inexistantes. Je n'ai aucun doute sur le fait que, quand cela va se produire, parce qu'on sait tous que cela va se produire, il reviendra pour une période au Royaume-Uni et je pense que son père, le roi, et son frère, le prince William, l'accueilleront à bras grands ouverts, a-t-il expliqué. Un autre proche du clan royal avait récemment suggéré qu'il pourrait s'acheter une propriété au Royaume-Uni pour rentrer seul lorsque bon lui semblerait. Pour le moment, en tout cas, celui-ci doit être pressé que le procès contre les tabloïds soit terminé, pour pouvoir retourner retrouver ses enfants.